Aujourd'hui, on a à se repositionner par rapport à cette vision du rural et de l'urbain. Il faut qu'on imagine la circulation dans les deux sens et qu'on ne voit pas la ruralité du Massif central, justement, comme source de difficultés, mais au contraire, comme outil d'attractivité. Le point principal, c'est effectivement que, autour de cette dynamique des arts vivants, nous puissions accueillir à Marvejols tous les intervenants, que ce soit des institutionnels, des troupes, des professionnels, sur cette problématique. Problématique qui est importante en termes de développement pour nos territoires. Aujourd'hui, on est certainement à la croisée des chemins, avec une perception de la culture qui fonctionnait selon un certain modèle. Ça demande donc de la part de chacun, aussi bien des intervenants que des institutions, la nécessité de s'adapter, et de s'adapter autour donc d'abord de la complémentarité, travailler, apprendre à travailler ensemble, comprendre aussi que la pluridisciplinarité est une nécessité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans des niches artistiques, mais qu'il faut au contraire tout mélanger. Et puis le troisième point, c'est surtout permettre une meilleure diffusion de notre tissu rural et ne pas avoir peur de dire qu'il faut aller au fin fond des campagnes pour faire passer le message culturel. Il y a une volonté, un besoin aujourd'hui de travailler à une échelle interrégionale. Donc le rôle de la région Auvergne, ça va être peut-être de favoriser justement cette mise en réseau, favoriser ce travail de coopération et permettre à nos compagnies régionales de pouvoir travailler, donc diffuser au moins, mais peut-être même à l'avenir créer. Il faut aujourd'hui qu'on rentre aussi dans cette réflexion de, comme je l'ai dit, de région, interrégion, Europe, sur travailler à différents niveaux et travailler aussi avec les régions et les interrégions des autres pays de l'Union européenne. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut qu'on mène et qu'on n'ait pas simplement l'idée que l'Europe va nous apporter quelque chose. Je crois que c'est aussi à nous de construire l'Europe et la diversité culturelle en Europe, c'est quelque chose de fondamental.